Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes ici devant le Zénith, l'un des temples de la culture sur la place parisienne. Ne va pas au Zénith qui veut, et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très important pour les Africains qui est en spectacle dans cette salle, quelqu'un que l'on pourrait qualifier de subversif ou d'un peu enquiquineur. Je ne vais pas tout de suite vous livrer son nom, je vais laisser ceux qui sont venus l'acclamer le suivre, l'encourager, vous dire de qui il s'agit. Dans quelques instants, cette salle sera dans le théâtre d'un grand événement. Suivez juste. Ce qui m'amène ce soir, c'est le concert de Valsero. C'est un Camerounais. Quelles que soient nos divergences politiques, on est là pour la culture, c'est le plus important. Et c'est le Cameroun qui gagne, on représente le Cameroun, on vient au Zénith pour la première fois. C'est voilà quoi, c'est du waouh. Tout simplement, c'est du waouh. Merci, merci beaucoup. L'ambiance est fantastique, c'est fantastique, c'est incroyable, du jamais vu. Je peux dire déjà félicitations au général Valsero parce que personne au Cameroun n'avait jamais réalisé ça. Et d'ailleurs même en Afrique, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je n'ai pas souvenance que quelqu'un ait réalisé cela. C'est un événement historique. Nous voyons là environ 7000 Camerounais, pratiquement 7000 Camerounais. Ici sur place, personne n'avait jamais rassemblé autant de Camerounais. C'est parce que justement, le général Valsero est un artiste engagé. Je précise bien sur engagé. Je souligne encore engagé. Et s'il fallait l'écrire, je l'écrirais en grand. Parce que depuis une trentaine d'années, il a chanté afin que notre pays, le Cameroun, ne sombre pas, afin que la guerre du Nozo ne soit pas une réalité, ou plutôt le génocide dans le Nozo. Qui ne se souvient pas de ce morceau du général Valsero que nous comptons bel et bien écouter aujourd'hui? How many people this man go kill? Qui a baissé et qui continue de baisser d'ailleurs la résistance? Un chapeau au général Valsero, un chapeau d'ailleurs à tous ces activistes qui ont mobilisé pour cet événement. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. J'y m'en faut. Merci, merci, merci. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est votre arrivée ici. Quelles sont vos premières impressions déjà par rapport à ce concert? À cet événement, nous allons tout d'abord être fiers de voir l'enthousiasme des Camerounais, la présence massive des Camerounais. Ça, c'est d'abord la chose qui m'impressionne beaucoup. Les gens ont vraiment répondu présent à l'appel de notre grand combattant Valsero. Et voilà, c'est tout ce que je constate déjà maintenant. L'animation ici tout autour, les Camerounais de toutes les régions du Cameroun. On ne connaît plus qui est Betty, qui est Boulou, qui est Wondo, qui est Chika. Ça n'intéresse personne. Nous sommes Camerounais, nous sommes venus supporter un vaillant Camerounais qui est là pour défendre, n'est-ce pas, le droit de l'homme, le droit du respect, le droit de la justice et le droit à tout court. Voilà. Y a-t-il des attentes particulières pour cette soirée? Mais cette soirée, l'attente particulière, c'est quoi? Nous devons d'abord noter que nous sommes là déjà pour fêter, pour être ensemble. C'est déjà ça qui est important. Nous sommes en famille. Voilà. Donc ce concert est vraiment une histoire, c'est une page de l'histoire du Cameroun. Moi, je crois que les absents auront tort. Ça, c'est une page de l'histoire. Il s'agit de Valsero, il ne s'agit pas de n'importe qui. Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage. Vous n'avez qu'à écouter les messages de ses chansons. Il dit tout dans ses chansons. Il a un message très, très profond, pertinent, percutant, je dirais même. Donc voilà, c'est ça. Je vous remercie. Alors, tu es au rendez-vous de Valsero ce soir? Absolument. Tu l'aurais raté, c'est là pour rien au monde. Hein? Pour rien au monde. Toi-même, tu sais, pour rien au monde. Il faut venir glorifier l'excellence. C'est pour ça qu'on est là. Et comme Valsero a résumé ce concert, il est un artiste politique. Il est un artiste politique, il n'est pas qu'un artiste. Donc un politique prend position.
Il a pris position. C'est pour ça justement, vous voyez, le monde se ramener vers la grande salle mythique du Zénith. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement et avec les décès qu'on a eu cette semaine, c'est encore l'occasion pour venir dénoncer ça. Donc là, Valsero, c'est le summum ce soir. Et on va l'accompagner pour accomplir cette mission. Je vous en prie.
C'est le premier pas, la première marche
vers la pacification de notre pays, les gars. C'est à nous de décider quand on commence une bagarre. Notre responsabilité, c'est aussi de l'arrêter. On est fort et on le sait, mais on n'est pas fort en écrasant les gens tout le temps. Non, même s'ils tentent de nous écraser, comme dirait quelqu'un, on va les perfuser de l'or parce que tout ce qu'on fait, c'est par amour pour notre pays, les gars. Il y en a qui essayent de maintenir des divisions parce que ça arrange leurs affaires. Il y en a qui, à un moment, croient qu'on va rester éternellement dans un système où on se regarde enfin comme des animaux. Mais nous, tant que nous on existe, il y aura toujours de l'amour, les gars. Aimez même ceux qui ne vous aiment pas. L'amour, c'est pas fait pour rester dans le cœur. C'est fait pour donner. C'est pour donner. Si vous savez, j'ai eu peur, les gars. À un moment, j'ai eu peur. J'ai dit, putain, est-ce que la meute sera au rendez-vous? Je vous aime, la famille. Est-ce qu'on peut prendre, s'il vous plaît? Déjà, faites monter tout ce qu'ils ont comme drapeau camerounais bien en l'air, s'il vous plaît. Je veux voir tout ce qu'ils ont des drapeaux camerounais, s'il vous plaît. On va faire une minute de silence. On va faire une petite minute de silence. Pour tous les soldats, je vous en prie, la famille. Dès que vous êtes prêts, on est prêts. On va faire une minute de silence pour tous les soldats et pour tous les civils
qui tous les jours meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. On va faire une minute de silence pour tous les frères et les sœurs qui meurent tous les jours à cause des actions de la secte islamique Boko Haram dans le nord et l'extrême nord du Cameroun. Pire, il y a quelques années, je suis sorti de prison et j'ai 123 combattants de la liberté qui aujourd'hui sont toujours enfermés dans cette putain de prison. Donc vous détestez les habitants. À quoi ça vous sert
d'avoir de l'amour, être prêt à mourir pour un endroit dont vous détestez les habitants. Il y en a qui ont dit qu'il va faire un meeting. Eh bien, on y est, la fête. La famille, on
peut y aller maintenant. Tout le monde est en forme. Il y a encore du monde en haut. Allez les enfants, descendez, faites-nous bouillir la fosse, les gars. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Vous faites comme au Cameroun, vous attendez vos vies sur place. Mais là, on prend de nouvelles habitudes. Hey, on est prêts, les gars? Voilà. Toujours. Elle est toujours.
êtes encore là? Heureusement, hein? J'ai cru à un moment que vous étiez parti. Ça va? Il y a quelques années, on a écrit une chanson qui, à un moment, on pensait que ce serait la clé. Je vais vous présenter quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour. Pour rien, juste pour que vous le sachiez. Faites du bruit pour mon poteau Amenté, il est venu du Cameroun, il est arrivé aujourd'hui, mes amis. Ça fait plus de 15 ans que je bosse avec ce mec et il s'est retrouvé en prison simplement parce qu'il m'a porté ma carte d'identité, les gars. Dis-moi pour avoir porté une carte d'identité, là. Alors je l'aime de tout mon cœur. La vie, moi, voilà. Ça n'arrivera plus jamais parce qu'on va régler le problème. On est prêts, les gars? Go! Le président est mort du coup d'épée.
Ben, le concert était magnifique, il était merveilleux, il était fantastique. J'ai vu tout le Cameroun réuni ici pour célébrer l'enfant du pays, à savoir Valsero. Valsero qui est un des artistes engagés camerounais que tout le monde connaît. Il est l'artiste camerounais le plus engagé que je connaisse. Et puis, on ne va pas arrêter l'engagement de Valsero à un parti politique ou à un groupe, parce que nous savons que Valsero existe depuis... Valsero a commencé à chanter les musiques engagées depuis les années 2008. Moi, particulièrement, je le reconnais. Je connais Valsero depuis sa première lettre au président. Donc, je pense que Valsero mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Alors, le concert de Valsero a été très super. Aujourd'hui, Valsero a montré encore que les Camerounais, le peuple camerounais est prêt pour le changement. Et ce concert a mis tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'on veut le changement et on est prêt pour le changement. Donc les milliers de Camerounais qui étaient là étaient présents juste parce qu'ils savent que Valsero est pour le changement du Cameroun et nous sommes vraiment prêts pour ce changement. C'était l'apothéose. Il a vibré aux hyperboles, il a joué les meilleures notes qu'il avait dans son répertoire. Il a été en communion avec nous, on a aimé pour une fois dans la diaspora. À Paris surtout, on a été dans une grande salle, le Zénith. Et je souhaite que ça ne s'arrête pas là. Parce que je souhaite que, au moins une fois par an, le peuple de la résistance puisse se réunir avec des artistes qui chantent pour le peuple, qui comprennent la souffrance du peuple et qui écoutent le peuple, pour éduquer le peuple, pour le peuple et pour le bien du peuple. Nous revenons d'un moment de jouissance, mais d'un moment de jouissance et de partage artistique magnifique. Le Zénith de Valsero, c'était quelque chose de merveilleux. Franchement, c'était fabuleux. Le spectacle était magnifique. Tout était bien concordé. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui soit sorti de cet temps insatisfait. C'était notre meeting, comme il a dit Valsero lui-même. Il a dit Hora, c'est le meeting. Et on assume, on ne se cache pas. Ça a été une très grande fierté pour nous. Aujourd'hui, le peuple camerounais en Europe 2. Valoriser cette culture à travers M. Valsero, nous avons reçu tous nos grands artistes. Nous lui rendons vraiment hommage à notre papy, le célèbre André-Marie Tala, sans oublier Richard Bonnat et toute la suite. Encore merci pour ce soir. Parce que le Cameroun reste un et indivisible. C'est le Cameroun de nos ancêtres. Les gens vous ont précédé, vous allez précéder les autres. Arrêtez de croire que vous allez mourir avec le Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Avec un grand plaisir, le Cameroun a été élevé encore ce soir. Vraiment un très grand concert. Il fait partie de mes trois meilleurs rappeurs. Big Bézi, Fanati, Valsero. Alors, que dire ce soir, à part qu'on est fiers. Fiers parce qu'on voit un Cameroun fidèle. Des Camerounais qui en partagent l'amour et la culture du Cameroun, ils sont là ce soir. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des gens qui répondent toujours présents quand le pays les appelle, quand la culture les appelle. Et je suis tellement fière, c'est une communion d'amour, une perfusion d'amour, comme l'a dit le général Valsero. On en a eu de tout ce soir. On a eu des patriages, on a eu la meute qui avance, on a eu des gens qui nous donnent du courage et le courage d'avancer. Je suis tellement fière de voir ce Cameroun-là et c'est pour ce Cameroun-là qu'on se bat. Voir tous ces enfants ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez, ce sont des Camerounais qui sont répondent toujours présents au rendez-vous des grands hommes. Merci, merci, merci. C'était un concert exceptionnel. Je crois que c'est la première fois qu'un artiste camerounais se produit dans cette salle mythique. Valsero aujourd'hui a envoyé un message d'amour, un message d'union et un message de paix. Valsero a porté très haut la culture camerounaise et c'est ce que nous aimerions voir. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page, une page de la culture camerounaise. Et aussi aujourd'hui, le message que Valsero a envoyé, non seulement au Cameroun, mais au monde entier, c'est qu'il faut arrêter la guerre qui décime les Camerounais. Valsero, à travers ce concert, a envoyé un message subliminal au régime dictatorial de M. Biya. Toutes les guerres se sont soldées par un dialogue. Et c'est ce que Valsero a fait ce soir. Il a dialogué avec les Camerounais
il n'y avait pas la basse, il n'y avait pas les combattants, il n'y avait pas X, il n'y avait pas Y, il n'y avait que les Camerounais. Et c'est le plus important. Magnifique. Il était magnifique le concert. Et vu les artistes qui sont passés, le peuple camerounais est très fier. Très fier de sa culture, très fier de Valsero, très fier de tous ceux qui ont participé, André Maritala, Carès Fosso, Richard Bonnard, c'est ça le Cameroun. Ce soir, c'est le Cameroun qui sort vainqueur. Nous adressons le message aux dirigeants camerounais, le Cameroun est vainqueur ce soir. Il n'y a pas eu de bord politique. C'est le Cameroun. Merci. C'est avec un plaisir que j'ai eu assisté à ce grand concert. Et je suis vraiment dessus, les patriotes ne sont pas venus. Parce que je suis à la salle en tant que biaïste, je ne suis pas attaqué. Je suis aimé. Et je voulais vraiment saluer Valsero qui a eu des très bons discours, de paix, d'amour. Je sors avec beaucoup de leçons et je dis un mot de fin, la politique n'est pas la guerre. La fraternité est sans frontières. Tu es une grande femme du peuple, le peuple le retiendra. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est grâce à vous. Rentre bien et puis n'oublie pas. Le spectacle de Valsero était incroyabilissime, comme je le dis souvent, il était grandiose. Ça valait la peine d'être là. C'était un moment inédit, déjà pour le rap. Sur quoi le rap camerounais? Une fois de plus, le Cameroun est à l'honneur. Et les Camerounais ont répondu présent. Et à partir de là, nous comprenons que le Cameroun est une grande nation, une très grande nation, et qui nécessite vraiment que nous asseyons ensemble et que nous voyons ce qui est important pour notre pays. L'union, c'est lui ici, l'unité, l'amour, le partage. Le Cameroun est ça. C'est très intéressant. Je t'entends.